Bonjour à tous, il est 11 h, on va attendre encore 1 à 2 minutes avant de démarrer pour être sûr que tout le monde puisse participer à la session dès son démarrage. Allez, on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de cycle de vie client. On va vous partager des exemples concrets pour vous montrer comment vous allez pouvoir optimiser la valeur vie de vos clients, aussi appelée CLTV pour les anglophones parmi vous. Avant de démarrer, je me présente. Je suis Mélanie Claes, je suis chef de produit chez AT Internet et je vais co-présenter ce webinaire avec mon collègue Fabien Letuau. Bonjour. Donc, nous sommes ensemble pour environ 1 demi-heure. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. On prendra le temps à la fin de la session pour y répondre. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur notre solution et plus particulièrement sur l'Analytics Suite Delta. Ce qu'on veut faire, nous, c'est mettre à disposition des différents utilisateurs de l'entreprise des outils qui vont s'adresser à tous, quel que soit leur profil, que ce soit des profils avancés qui ont l'habitude de faire de l'analyse et des profils peut-être un peu moins avancés, comme les chefs de produits, les équipes marketing qui ont besoin d'avoir des chiffres pour mesurer et driver leur activité. Sans entrer dans des informations trop détaillées. Donc pour ça, on met à disposition une suite d'outils, donc l'Analytics Suite Delta, et on va retrouver 3 outils majeurs. Le premier s'appelle Explorer. C'est un outil qui est le point d'entrée des différents utilisateurs dans notre solution, où on va retrouver des analyses qui sont prêtes à l'emploi, un petit peu plus d'une centaine, et qui donc vont être très accessibles à tous les profils de l'entreprise. Pour ceux qui ont des besoins un petit peu plus avancés, on va plutôt utiliser Data Query. Ça va vous permettre de faire de la fouille de données, d'avoir des jeux de données qui sont ultra précis et complètement personnalisés, alors qu'Explorer va rester sur des informations un petit peu plus génériques. Donc là, on va être sur des profils un petit peu plus avancés. Et ensuite, on a un outil qui permet de créer et de partager très facilement des tableaux de bord qui vont être personnalisé sur le fond et sur la forme pour que n'importe qui dans l'entreprise puisse avoir accès à différents KPI et piloter son activité. Donc ces tableaux de bord vont s'adresser eh bien, à tous les profils de l'entreprise, même si la partie création va plutôt s'adresser au profil avancé comme les analystes. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Explorer. Il faut savoir que toute cette suite d'outils, et pas que Explorer, permet de répondre à ces problématiques de cycle vie d'optimisation du cycle de vie des clients. Par rapport à Explorer, comme je disais, on a des analyses qui sont pré-construites, prêtes à l'emploi. On va retrouver des informations génériques sur les sources de trafic, les appareils que les personnes utilisent pour accéder à votre site, les pages qui sont visitées, etc. Et ensuite, sur des problématiques plus spécifiques, on va avoir des modules. Donc, pour tout ce qui est attribution des sources de trafic, trouver la combinaison parfaite de sources de trafic, vous allez avoir des analyses d'acquisition. Pour créer, adapter votre UX au comportement des visiteurs de votre site, vous allez avoir un module qui va vous permettre de comprendre les comportements de navigation des utilisateurs sur le site. Si vous faites de la vente en ligne, vous allez pouvoir améliorer aussi le processus d'achat, accroître le chiffre d'affaires grâce à un module dédié à l'e-commerce qui s'appelle Sales Insights. Et enfin, si vous avez des catalogues multimédia, que ce soit de l'audio ou de la vidéo, et que vous avez besoin d'optimiser ces catalogues, vous avez aussi accès à un module qui s'appelle Heavy Insights et qui va vous permettre d'en savoir plus et d'optimiser ces informations et vos catalogue. Parlons maintenant cycle de vie du client et comment vous allez pouvoir l'optimiser.
Le cycle de vie du client, il est intimement lié au parcours de vos clients. Les parcours sont différents selon les entreprises, mais si on devait les synthétiser, les simplifier et finalement garder trois piliers qui sont communs à tous, on va avoir dans un premier temps l'identification. Comment vous allez faire en sorte que des gens qui ne vous connaissent pas puissent vous identifier et aller sur votre site? Pour faire ça, vous allez devoir maîtriser vos canaux d'acquisition, pardon. Donc, mesurer les sources de trafic, identifier celles qui sont les plus performantes, et puis ça va vous permettre d'optimiser les investissements publicitaires que vous faites. Une fois que les personnes vous ont identifié, qu'elles sont sur votre site, il va falloir procéder à la première conversion, à la première souscription, le premier achat. Et pour ça, ce qui va entrer en jeu de façon très importante, c'est l'expérience utilisateur. Il faut qu'elle soit fluide, il faut que les personnes se sentent à l'aise sur le site, trouvent les informations qu'ils recherchent pour procéder à cette conversion. Et enfin, on a une fois que le premier achat, la première conversion est faite, et bien l'objectif, c'est aussi que ces personnes-là reviennent sur le site et refassent des conversions. Donc, développer la fidélité et la rétention des utilisateurs sur vos sites et applications. Donc, on va reprendre ces sujets un par un et vous montrer comment vous allez pouvoir les explorer dans Explorer. On va commencer par la mesure de la performance des canaux d'acquisition et donc des sources de trafic. Donc, un aperçu très global avant de commencer sur Explorer. Donc, vous avez ici la possibilité de paramétrer le périmètre de votre analyse. Si vous avez plusieurs sites dans votre organisation, vous pouvez étudier la performance de tous les sites à la fois, une sélection de sites ou un seul site. Donc ici, on va garder un seul site. Vous allez ensuite paramétrer votre période d'analyse. Nous proposons des raccourcis vers des périodes comme les 7 derniers jours, etc. Pour ceux qui ont des besoins plus spécifiques, vous pouvez utiliser un calendrier. Et dans notre exemple, on va rester sur la période qui est proposée par défaut dans Explorer, en l'occurrence la période de la veille. Sur la gauche, on va retrouver le menu avec les analyses prêtes à l'emploi dont je parlais tout à l'heure. Sur le haut du menu, on va être plutôt sur des analyses assez globales, génériques, la géolocalisation, les sources de trafic, les contenus. Et sur la partie basse, on va retrouver les modules dont on a parlé juste avant, spécialisés sur l'analyse des ventes, les comportements, les parcours utilisateurs sur le site, l'attribution, etc. Donc, on va aller... On a plusieurs entrées. On va avoir ici une entrée sur l'ensemble des sources de trafic. Vous voyez ici le top 5 des sources de trafic, celles qui ont apporté le plus de visiteurs sur le site. Ensuite, on a d'autres analyses qui vont vous permettre, par exemple, d'analyser vos campagnes. Donc, pour chaque campagne, vous allez même avoir des informations supplémentaires sans avoir à changer d'analyse. Et puis, vous allez avoir une vue un petit peu plus globale qui va vous permettre de prendre du recul et de comparer la performance de vos campagnes et puis aussi de la performance de toutes vos sources organiques naturelles. Donc, on va revenir sur cet aperçu. En dessous, vous allez avoir le tableau de données qui, lui, est complet, va vous afficher la liste entière de toutes vos sources et vous pouvez très facilement ajouter ces informations-là dans le graphique si ça peut vous aider, comme on vient de le faire ici avec les QR codes. Sur la droite, vous retrouvez les différentes métriques qui vont vous permettre de mesurer la performance de chacune de ces sources. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'en savoir un petit peu plus sur la performance de ces sources par rapport aux différents utilisateurs. Donc, on va aller rajouter des métriques. On va commencer par le chiffre d'affaires par visiteur. Et ensuite, on va rajouter aussi la notion de conversion, de taux de conversion pour chacune des sources et connaître sa valeur. Donc, vous voyez que le tableau ici a été mis à jour. On retrouve ces deux métriques qui sont ventilées par source de trafic que vous gardez donc sur la gauche. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est par exemple que le chiffre d'affaires par visiteur étant arrivé par le... est la plus intéressante en termes de taux de conversion et de chiffre d'affaires par visiteur. Donc, on a là une analyse qui est intéressante qu'on va pouvoir sauvegarder puisque finalement, toutes ces informations sur la valeur client, vous allez avoir besoin de les consulter régulièrement. Donc, vous allez lui donner un nom, une description et vous allez l'enregistrer. Vous allez la retrouver dans Explorer directement dans ce menu et vous allez pouvoir l'utiliser
quand vous en aurez besoin. Donc, dans cet exemple-là, on est parti sur du chiffre d'affaires par visiteur, un taux de conversion. Sachez que vous pouvez utiliser une multitude de métriques. On aurait très bien pu mettre le nombre de complétions d'objectifs, les durées de session par visiteur, avoir même des informations sur vos clients, donc vos utilisateurs. Tout ça, c'est vraiment à vous de définir quelles sont les métriques les plus importantes. L'idée, ici, c'est vraiment de vous montrer comment vous pouviez obtenir ces informations-là dans Explora. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment une analyse source par source. Or, en règle générale, et on le voit ici dans cet exemple aussi, on ne va pas investir sur une seule source, mais plutôt sur une combinaison de sources. Et ce qui va être intéressant, c'est de connaître quelle est la combinaison de sources la plus intéressante en termes de conversion, de taux de chiffre d'affaires, etc. Et pour ça, on va basculer sur des analyses d'attribution. Fabien, je te laisse la parole. Ok, donc comme Mélanie a pu le dire, en réalité, les interactions entre vos marques et vos consommateurs sont de plus en plus complexes, avec certains canaux qui se complémentent et d'autres qui vont se cannibaliser. C'est pour comprendre cette complexité que nous avons décidé de rajouter une analyse d'attribution dans Explora Delta. Et cette analyse va recréer les séquences d'interactions entre vos utilisateurs et votre marque et attribuer un crédit à chaque interaction en fonction du modèle que vous aurez choisi, aligné avec votre stratégie marketing. Donc, cette analyse a plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est nativement intégrée au sein d'Explorer. Elle est également très simple d'utilisation avec des visualisations dédiées à la compréhension de ces parcours complexes. Et dernièrement, elle ne requiert aucun marquage supplémentaire car elle se base sur des données fiables et impartiales que vous collectez déjà pour des fins de Web Analytics. Donc, cette analyse va vous permettre d'avoir une perspective, une nouvelle perspective en détaillant les séquences d'interaction, en illustrant la valeur attribuée à chaque canal en fonction de votre logique marketing, que vous soyez dans une logique d'acquisition de nouveaux utilisateurs ou d'optimisation du taux de conversion d'utilisateurs déjà exposés à une campagne d'acquisition. Donc, rentrons concrètement dans le sujet et allons voir à quoi ressemble cette analyse. Vous pouvez la retrouver dans le menu Explorer. Vous pouvez ensuite choisir le site ou les ensembles de sites de votre marque afin d'assurer que vous capturez la globalité des interactions avec vos utilisateurs. Et ensuite, vous pourrez très simplement choisir la fenêtre d'attribution. Donc, ce paramètre va permettre de définir jusqu'à combien de jours dans l'historique on souhaite aller pour recréer ces séquences. On va choisir les types d'interactions, donc les sources attribuées ou les campagnes si vous souhaitez un niveau plus granulaire, les types de conversions, donc les conversions monétaires ou non monétaires, ainsi que choisir les modèles d'attribution afin de vraiment personnaliser cette analyse à vos besoins. Une fois que vous êtes satisfait de votre analyse et de vos paramètres, il reste juste à appuyer sur le bouton « Actualiser » et vous serez présenté avec les premiers résultats. Voilà. Donc, en premier lieu, vous allez apercevoir des indices de performance clés avec une courbe résumant la performance de vos ventes et de vos conversions sur la période. En descendant, vous allez apercevoir toutes les séquences d'interaction entre vos utilisateurs et votre marque qui ont amené à une conversion sur cette période. Et donc, ce qu'on peut voir dans notre exemple et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'au global, les liens sponsorisés semblent se situer en début de séquence de vente, alors que le trafic direct semble être présent plus en fin de parcours. Donc, pour confirmer cette tendance, on va aller dans l'analyse de modèle afin de voir comment nos divers canaux ont performé sur la période d'analyse à travers différentes perspectives. Donc, pour rappel, nous avons choisi un modèle last touch ou de dernière interaction qui va apporter 100% du crédit de la vente au dernier point de contact entre la marque et l'utilisateur, représenté par les barres orange ici. C'est un modèle un peu plus classique, on peut dire, que nous pouvons apercevoir à travers Explorer quand nous analysons les informations de conversion. Donc, nous allons également choisir un modèle linéaire qui va apporter un crédit égal à chaque interaction, qui est plus adapté quand nous sommes dans une logique d'acquérir de nouveaux utilisateurs et de mesurer à quel point nous sommes en capacité de les amener jusqu'à la conversion, ici représentée par les barres bleues. Voilà. Et dans le graphique, nous pouvons clairement voir que dans une logique de dernière interaction, que le trafic direct a énormément contribué aux ventes, alors qu'en utilisant un modèle linéaire, c'est une toute autre histoire. On peut savoir que ce sont les liens sponsorisés ainsi que les moteurs de recherche et les webmails qui ont le plus contribué à générer des ventes. Donc, c'est une information importante à avoir quand nous essayons justement de mieux connaître ces canaux qui ont servi à acquérir les utilisateurs et les accompagner jusqu'à la conversion.
Donc, l'analyse d'attribution va proposer jusqu'à 5 modèles qui permettent d'analyser vos données différemment en fonction de votre stratégie marketing et de vos objectifs. Donc, l'analyse d'attribution fonctionne sur vos ventes de produits, mais elle peut aussi fonctionner, si vous n'avez pas de produits, sur toute autre conversion que vous auriez pu marquer sur votre site. Donc, pour continuer sur notre analyse des utilisateurs au cours de leur cycle de vie, on peut aussi utiliser Explorer afin de se pencher sur la consommation de contenu et plus précisément des parcours utilisateurs on-site. Donc, vous avez quelques éléments de réponse dans l'onglet contenu d'Explorer qu'on a pu voir précédemment, où vous pouvez mesurer les différentes pages visitées ainsi que les différentes actions que les consommateurs ont pu faire sur votre site. Mais grâce à l'analyse de navigation, on va pouvoir aller au-delà et analyser les différents parcours utilisateurs directement sur vos différentes plateformes. Donc, l'analyse de navigation, vous allez voir dans un petit moment, a deux fonctionnements. Avec le premier, vous pouvez analyser les différents flux d'utilisateurs à partir d'une page spécifique de votre plateforme. Donc, une analyse de navigation dans ce sens va vous permettre d'identifier les landing pages les plus empruntées et de découvrir les principaux flux d'utilisateurs qui en découlent avec des mesures de performance à chaque étape. Cette vue est particulièrement pratique pour repérer les flux qui fonctionnent correctement, mais aussi identifier des pages qui auraient besoin d'être améliorées sur votre site. Donc, nous allons, dans l'analyse de navigation qui se situe dans son menu dans Explorer, voilà, nous allons la découvrir à travers un exemple. Donc, un utilisateur va pouvoir accéder à cette analyse. Il va pouvoir ensuite préciser le site de son choix ainsi que la date ou la période d'analyse. Il est également possible de rajouter des segments à portée visite ou visiteur afin d'analyser les parcours de navigation sur un sous-ensemble de votre trafic. Donc, la première visualisation qu'on va voir, qui est dans l'onglet Overview, contient une visualisation Sunburst qui va représenter les grosses tendances sur votre site. Elle est disponible à partir de n'importe quelle page ou d'une page d'entrée. Et elle va vous montrer donc les top 5 pages les plus visitées suite à une page de votre choix, ainsi que les 6 étapes qui en découlent. Et vous allez avoir un tunnel qui va se construire à la droite. Il représente les statistiques de performance et de déperdition à chaque étape. Donc, une fois que vous avez créé un tunnel que vous souhaitez suivre à travers le temps, vous pouvez le sauvegarder et l'analyser ultérieurement dans l'onglet « Mes séquences ». Donc, vous pouvez le sauvegarder grâce à ce petit icône en haut à droite. Donc, on peut aller encore plus loin avec cette analyse de navigation en allant dans l'onglet « Exploration ». Ici, on va retrouver le détail des parcours de navigation sur nos sites. On va pouvoir explorer l'intégralité des pages vues sur notre plateforme. On va pouvoir choisir une page d'entrée sur notre site ou n'importe quelle page de notre choix grâce à une liste avec 2 entrées. On peut voir ici, et cette analyse est dynamique. Donc, en cliquant simplement sur les différentes tuiles, on va pouvoir explorer jusqu'à 15 étapes après une page de notre choix et observer l'exhaustivité des pages visitées à chaque étape grâce à au petit bouton en bas à droite. Voilà. Donc, chaque tuile propose des informations très utiles comme le nom de la page, le nombre de visites qui sont passées par cette page, le taux de déperdition ainsi que la répartition des utilisateurs dans les pages qui ont suivi. On va donc itérer et identifier pour découvrir un parcours qui peut nous intéresser. Voilà. Et très rapidement, on va voir qu'on va pouvoir identifier une page spécifique qui a un taux de déperdition important. Et on va donc pouvoir se focaliser sur cette page et essayer de comprendre pourquoi autant d'utilisateurs quittent le site à ce niveau-là. C'est possible qu'elle ne réponde pas aux attentes des utilisateurs ou qu'elle ne fonctionne pas correctement. Donc, on va pouvoir ensuite faire des améliorations d'expérience utilisateur et on va pouvoir suivre ces améliorations grâce à cette vue tunnel qu'on a pu voir ce qui est exactement la même vue qu'on a pu voir dans l'onglet Overview avec l'analyse Sunburst, où vous pouvez suivre la déperdition des utilisateurs. Vous avez plein de statistiques pour suivre la performance de votre tunnel ici à droite, que vous pouvez sauvegarder et retrouver dans l'analyse Mes séquences. Voilà. Mais cette analyse d'exploration a une autre manière d'être utilisée. Donc, on peut l'utiliser avant une page, en mode avant une page. Donc, on peut y accéder via l'onglet en haut à gauche. Ici, on va choisir une page de fin et observer les séquences de pages que les utilisateurs ont utilisées pour y arriver. Donc, cette vue est particulièrement utile pour analyser les tunnels de conversion. Donc, dans notre démo, on va choisir une page de confirmation d'inscription à notre site web que l'on souhaite optimiser et on va aller sélectionner les 2 étapes qui la précèdent pour sélectionner l'intégralité de notre tunnel de conversion. Et on va pouvoir facilement observer quelles pages ont le plus contribué pour l'alimenter. Donc, dans notre exemple, on peut voir 3 pages principalement qui ont contribué à alimenter notre tunnel. Et donc, on sait maintenant sur quelle page se focaliser pour analyser notre tunnel de conversion, mais aussi pour se pencher pour essayer de comprendre pourquoi les autres pages y ont moins contribué. Et de la même manière, on va pouvoir sauvegarder ces tunnels et y revenir plus tard dans le temps grâce à l'analyse de mes séquences.
Donc, dernièrement, pour finir notre analyse des différentes étapes du cycle de vie du client, on va se pencher sur la mesure de la fidélisation des consommateurs sur le long terme. Donc, pour cela, nous avons une analyse dédiée directement accessible depuis Explorer. Vous pouvez la retrouver dans la section audience sous l'onglet Loyalty en anglais ou Fidélité dans l'interface en français. Et cette analyse représente une table de rétention qui se dit de la manière suivante pour ceux qui ne sachent peut-être pas comment la lire. Donc, ce chiffre représente le nombre d'utilisateurs qui sont venus sur le site sur un jour précis. Donc, 1423 visiteurs sont venus le 18 septembre 2021 sur notre site. Et le tableau va représenter le pourcentage de ces utilisateurs qui sont revenus un jour, deux jours, trois jours après, etc. Plus la couleur de la boîte est dense, plus d'utilisateurs sont revenus sur le site ce jour-là. Donc, cette analyse est disponible sur plusieurs périodes d'analyse. Donc, vous pouvez analyser votre capacité à fidéliser des utilisateurs sur des périodes plus ou moins longues selon votre typologie de business et avec deux portées différentes. Donc, une portée visiteur basée sur un identifiant device ou une portée user basée sur un identifiant utilisateur. Voilà, donc merci Fabien. Si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, vous avez pu voir comment, avec ces outils, donc l'analyse d'attribution, de navigation et puis enfin de loyauté, donc comment très facilement, avec ces analyses qui sont déjà prêtes à l'emploi et des représentations graphiques qui sont adapté, comment vous pouvez déjà obtenir donc des informations clés qui vont vous permettre d'évaluer et puis d'optimiser le parcours client et donc forcément par là même la valeur vie de vos clients. C'est maintenant à votre tour. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc on va les prendre et n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure. On a une question d'Arnaud qui voudrait savoir combien de modèles d'attribution nous proposons. Et lesquels sont-ils ? Voilà. Donc, on va vous fournir 5 modèles d'attribution différents, des modèles qui sont connus sous le nom de rule-based. On va avoir de la première interaction, de la dernière interaction, un modèle linéaire, un modèle en forme de U, où on va mettre davantage d'accent sur la première et dernière interaction et avoir un peu moins sur toutes les interactions au milieu, ainsi qu'une interaction qu'on appelle decay, où on va mettre on va attribuer moins de crédit aux interactions qui ont lieu plus loin dans le passé. Donc, ça sera vraiment une progression linéaire sur notre manière d'attribuer le crédit. Voilà. Donc, vraiment donc 5 modèles rule-based pour attribuer vos différentes interactions. Merci. Une question maintenant de Daniel qui voudrait savoir s'il est possible de mêler des pages et des events, comme par exemple l'impression d'un ancrage dans le funnel. Pardon Mélanie, excuse-moi. Est-ce qu'on peut combiner des pages et des events quand on construit le tunnel ? Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on a étudié et en fait, quand on va commencer à mêler des events dans l'analyse de navigation, ça peut très vite créer énormément de bruit car il y a des events qui se répètent, il y a des events qui peuvent avoir qui peuvent complètement noyer vraiment cette progression de pages à travers la navigation. Donc, aujourd'hui, on a pris ce choix de garder cette perspective page et un peu plus macro en quelque sorte de la navigation, mais on est en train d'étudier comment on pourrait justement fournir davantage d'informations sur la succession d'événements on-site. Voilà. Donc ce n'est pas aujourd'hui disponible dans la navigation, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Merci. Une question sur la segmentation dans l'analyse de rétention, à savoir est-ce que ce sera possible d'appliquer la segmentation ? Effectivement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Évidemment, c'est une amélioration qu'on va bientôt apporter. Question sur les custom métriques, est-ce qu'elles sont incluses dans Delta ? Alors, la réponse est oui. En revanche, ce sont les custom métriques que vous allez créer dans Delta. Celles que vous avez dans l'Analytics Suite 2 ne sont pas portées. Donc, ce sont les métriques que vous pouvez créer déjà actuellement via Data Query 3. Peut-on faire un modèle d'attribution personnalisé ? Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est possible grâce à notre solution d'attribution. On va vraiment répondre aux besoins fondamentaux d'attribution. On travaille avec des partenaires pour tout besoin qui est plus poussé
autour de l'attribution, donc on vous dirigera vers eux. Mais voilà, donc on souhaite vraiment répondre aux besoins fondamentaux d'attribution aujourd'hui dans notre module. On a une dernière question pour l'instant. Comment peut-on analyser le trafic, la navigation d'un site à l'autre ? Donc la navigation va vraiment se focaliser sur la navigation au sein d'un site pour voir cette vision un peu plus globale de la navigation entre les sites. Il faudra utiliser les autres onglets d'Explorer. Il y a notamment un onglet dans l'analyse de contenu avec à portée site où on peut voir les différents regroupements de sites qui sont utilisés sur les différentes sites ou combinaisons de sites qui sont utilisés par vos utilisateurs. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de vous remercier pour votre attention et de nous excuser pour les aléas techniques que nous avons rencontrés dans ce webinar. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent se produire. On espère quand même que vous avez pu suivre l'intégralité du webinar et que ces informations vous permettront d'améliorer votre façon d'utiliser notre solution. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.